que la coupe est tellement sale. Ça va être la tienne. T'en laisses. Je suis trop plus bon après. Je suis plus bon après. T'es plus bon après que dans la vidéo? Ouais. Alors c'est dit, voilà, Rémi est plus bon après qu'en vidéo. Je suis plus bon après qu'en vidéo, tout le monde. Fait que si vous voulez me rencontrer, c'est mon numéro de téléphone, c'est 4. Voilà, bonjour tout le monde! Aujourd'hui c'est festif car Rémi Desgagnés est là. Hey, salut tout le monde! C'est lui, Rémi Desgagnés. Et moi ici présente, Cassandra Bouchard, toujours fidèle au poste parce que c'est ma chaîne. Ça serait un peu bizarre de faire une vidéo sans moi. On pourrait essayer. On pourrait essayer. Là, Rémi nous revient d'un pays exotique, toi et chaud. Ouais, ouais, toi et chaud. Il nous revient d'un pays exotique, toi et chaud. Vas-tu leur dire une troisième fois d'un coup? Pays exotique, toi et chaud. Il nous revient d'un pays exotique, toi et chaud. C'est la Thaïlande. Ah! J'ai ramené de la bouffe étrange que j'ai trouvée dans un 7-Eleven en Thaïlande, c'est-à-dire un dépanneur, comme on appelle ici. Donc, c'est ça, tout exactement. Ce que je voyais qui était louche et bizarre et qu'on n'a pas ici, j'ai dit, oh, ben, moi, je vais goûter à Cassandra parce que je suis tellement un bon ami. C'est tellement généreux. C'est des affaires qu'on n'a aucune idée, c'est quoi? Ouais, moi non plus, j'ai jamais goûté. Elle, non plus. Non. Mais c'est des affaires très louches. Elle, elle sait pas en fait, elle sait pas encore. J'ai rien vu par doute. Puis j'ai le sentiment que ça va être un genre de vidéo que je vais faire, je vais me demander après pourquoi j'ai fait ça. Genre. Ben non. C'est le sentiment que j'ai. Ça va être le fun. Tu penses? Non. Ah. Fait que là, pour rendre la chose plus frivole, mettons, on a écrit les trucs dans un petit bol, un bol de qualité d'ailleurs. Oui. Un bol commencé par Ziploc. Ziploc, le sac à sandwich résistant. Fait qu'on va piger, on va devoir goûter la chose qu'on pige. C'est ce concept un concept de fou. Un concept de fou. Quand ça dit, je vais faire un jeu, hein. Moi, je suis une personne créative, ok? Oui. Aussi, ce qui va être drôle, c'est que j'ai tout écrit en anglais pour que Cass allait lire. Parce que Cass, son niveau d'anglais est incroyable. Merci. Des chips aussi. C'est le seul qui est en français. J'étais genre, ben voyons, je comprends. Des chips au sushi. Ça, c'est un des moins pires. Ah, ben ça va être bon pour vrai. Oh. Moi, j'aime vraiment les sushis, j'aime vraiment les chips. Fait que des chips au sushi, I guess que c'est bon. C'est comme des espèces de Doritos, mais saveur. Hey, c'est fou qu'il n'y a pas qu'on comprend rien. Toi, pendant tout le mois que t'étais là-bas, tu comprenais rien jamais, en fait. Non, j'étais le même. Tu m'as prendre ça. Pointez après tes menus. Ah, oh, tabarnak. Ah, oh, tabarnak. Ça ressemble à ça. Quoi? J'ai pris ça dans la rangée des chips, là, fait que c'est comme une chip en feuille. Mais ça passe super, c'est vrai, mais l'odeur est vraiment pas terrible. Ok, santé, santé, santé. Hé, t'as pas un regret déjà, ça commence pas. Pas vrai. Vraiment. Hein, c'est comme du cri. Je trouve pas ça mauvais. Ben oui. Ah oui? Ouais. By the way, est-ce qu'on peut parler juste du sac? Il y en a genre jusque là. Ouais. Il y en a genre 3 chips dans le sac. Ben, le sac, après 3, c'est assez bon. Fait que mettons sur 10. 6, ça passe. Je trouve quand même généreux. 5. Mais je pense que je dirais 6 parce que, tu sais, maintenant je suis pognée dans le désert puis que tu me donnes ça, je vais le manger. Je vais trouver ça fucking bon. Ouais, c'est ça, je vais être fucking bon. Mais tu sais, on s'entend que je me prendrais pas ça pour écouter un film prochainement. Mettons, oh, t'as bien d'accord. Fait qu'on a donné un gros 6. 6 sur 10 pour ça. 5, guys, un 6. Taro feel bonne. Quoi? Ah! C'est le pire. Non, c'est le pire. Mais moi, je trouve ça un des pires. Ah oui? Oh mon dieu. Quoi? Je suis pas prêt à manger ça. Pas en fait, là. Tu veux dire? Oui. Ah, c'est quoi, mettons? C'est un pain, genre, filé avec la genre de, du genre de jambon bizarre de là-bas. Ça goûte pas jambon, ça... Ouais, je sais! Arque! Arque! C'est des yeux, le petit pain! C'est un petit pain, mais dans le milieu, il y a de la viande. Ok, on le coupe en deux, I guess. Hey. Arque! Oh non, mais pour vrai, juste l'odeur, ça m'a... Hey, j'ai les larmes aux yeux, man. Non, non, vous comprenez pas, là. On dirait que quelqu'un a genre. On dirait que quelqu'un a chié dans ah! le. Chips. Oh my god. C'est quoi la viande? On peut se le dire? C'était pas de la viande, ça goûtait genre. Mais pâté de chat, genre. Non, je veux même plus qu'on en parle pour vrai. Fait que pour le petit pain VS cheap avec l'espèce de fausse viande dedans écœurante, j'aimerais un moins 4, moi. Je pense que j'aimerais 2, mettons. 2? Je le trouve généreux. Ben là, j'ai pas vomi. Ben moi, j'ai vomi. 1. 1. 1 tout le monde. 1. 1 sur 10, on vient. Moi, je suis généreuse pour elle. Ah, mais toi. Ouais, moi, j'aime. Choco Filled Mint Candy. Quoi? Filled. Ok, Choco Filled Mint Candy. Ah, candy. J'ai cru très bien. Fait que c'est ça, c'est quoi? Le seul qui est comme un genre de bonbon. Donc, ah, c'est pas pire parce que là, d'abord, ben, ça peut pas être dégueu comme le pain, là. Ah, mais ça doit pas être mauvais. Regardez. C'est comme ça a l'air d'être comme des bonbons à menthe avec du chocolat. Ouais. C'est comme des bonbons Saint-Hubert, mais ça a l'air d'être ça. Mais vu que c'est écrit Dynamite, puis que ça avait l'air d'être comme un emballage comme étrange, je me suis dit que ça pourrait être intéressant.
Ça goûte vraiment, mais vraiment le bonbon Saint-Hubert. Ah, ben oui. Ça goûte vraiment le bonbon Saint-Hubert. Tu sais, c'est Saint-Hubert qui a copié ça. Ah, c'est bon. Oui, c'est bon. Ça fait du bien après les pains. C'est bon, mais ça goûte tout ce qu'on a fait. C'est relatif, là, ouais, ça. Il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. C'est un bonbon que tu manges comme après avoir mangé. C'est un bonbon Saint-Hubert, Chris. Ouais, c'est un bonbon Saint-Hubert, Chris. Combien qu'on a sur 10? Ben, mettons 7, là. 7! 7, mais tu sais, ils vont pas révolutionner le monde avec ça, là. Non, Chris, okay. Non, c'est le deuxième pire, c'est tabarnak. Non. Oui. Ou le pire? Slia Thai Custard Bread. Slice Thai Custard Bread. Ah, oh, je suis pas prête. Ok. Hello darkness, my old friend. C'est pas sérieux, là. Ce genre de sandwich, là, c'est dégueulasse. C'est un pain tartiné d'un truc vert qu'on a aucune christie d'idée c'est quoi le truc vert. Regarde. Hey, c'est chimique, c'est un hostie de temps, là. C'est sûr ça sent le cadavre, là. Ah! Non, okay. Mais voyons donc, genre! Ah! Ok, t'es-tu prêt? Non, okay. Tu seras jamais prêt à ça. T'es jamais prêt à te crisser ça dans la gueule, gars. T'es jamais prêt. Et go. Ok, c'est la pire chose au monde! Moi, c'était quoi qu'ils ont mis dessus? Ça goûtait comme un peu le thon sucré. Ouais, vraiment. Dans ses dates, genre. True. Tu trouves-tu? Ouais, vraiment. Tu l'as tellement bien décrit, là. À vous. Ça, c'est combien qu'on donne sur 10? Celle-là, je dirais. J'ai trouvé pire que l'autre. Moi aussi, fait que je dirais 0. Moi, je donne un fuck all, en fait. Là, moi, je donne 0. Je vous conseille pas. Ok, prochain. Ouais, c'est dégueu, ouais. Celle-là, j'étais pas prêt. Non, j'étais pas prête. Je suis pas prête encore. Hein. Faut pas, Japanese rice cracker coin flavor. Oui, ça t'a vraiment bon. C'est comme un genre de truc au blé d'Inde. C'est comme des genres de galettes de riz au blé d'Inde. Des galettes de blé d'Inde. Ça m'a l'air pas prêt. Mais je l'ai pris parce que le blé d'Inde, il faisait un clin d'œil. Je comprends. Clairement, il tente de nous croiser, là. Moi, je pense que c'est. Il t'a eu, en tout cas. C'est un petit bout de blé d'Inde cochon. Il y a de blé d'Inde cochon. Ah! Ih, ça sent drôle, par exemple. Ouf. Ah ouais, non, ça sent pas tant bon, c'est réjoui trop vite. Ah, c'est collé partout dans ma calice d'ailleurs! Ok, c'était genre le pire! What the fuck? T'es supposé être le fun! On s'est tellement fait avoir par le petit Chris de Bledin. Ben oui, gaffe. Il me faisait un clin d'œil parce qu'il savait qu'il coûtait la merde de tabarnak! What the fuck? Il m'a trahi! Il m'a dit, ah, Nietta, je suis bonne! J'la jette, est-ce que tu goûtes, ça goûte le fond de marre! Je pense que je l'ai trouvé pire. Parce que le goût, il est fort, genre. C'était vraiment fort. Je te dirais, là, je pense que j'aurais moins, hein. J'ai trouvé ça pire que le pain. Ben ouais! J'ai quasiment pio à l'instant. J'ai trouvé ça moins pire que le pain, mais j'étais vraiment surprise parce que je m'attendais, tu sais, quand ton cerveau, tu t'attends à quoi de bon, mais finalement. Non, mais le goût était fort! La seconde, il y a plus. Ah, non, c'est dégueulasse. Fait que je donnerais un. Ma gorge, elle brûle. Et après ça, on va avoir le cul qui va nous brûler, là. Bon! Mon dieu. On a dit bon en même temps. Fait qu'on s'enligne sur un graine de melon d'eau. Ça, c'est en anglais, mettons. Ça, c'est écrit en anglais. Graine de melon d'eau. Tu veux dire qu'un accent, que ça marche? Graine de melon d'eau. Graine de melon. Graine de melon. Graine de melon. Graine de melon. Arc. On dirait des bébites. Je pensais que c'est pas des graines de melon. Ils font en semblant que c'est des graines de melon, mais finalement, ouais, c'est genre des bébites. Tout le monde, regardez, c'est genre des bébites. Moi, j'aimerais ça aimer ça parce que pour vrai, j'aime quand même ça, les graines. Dans... Arc, mettons. T'en avais plein dans la main, mettons, t'es ambitieuse. Arc, fait que ouais, moi ça j'aimerais. Moi j'aimerais deux. Et moi j'en ai. Oh, j'en ai. T'en as pas dans les dents, j'en ai partout dans les dents en ce moment là. Ça va pas là. Ouais, moi j'ai pas de dents. J'aimerais deux. Deux. Ouais, je pense deux c'est chill. C'est pas genre je vomis, mais c'était juste comme. J'ai l'impression de manger du plastique. Genre big sweet. Sheet. Big sheet. C'est quoi sheet dans le lit, mettons? Feuille. Big feuille. C'est des grosses feuilles vertes. On dirait un gratteux. C'est vrai. On dit l'emballage, on dirait un gratteux. C'est comme une algue de sushi, dans le fond. C'est. Je pense que ça a l'air de quelque chose de même, ouais. Faudrait que tu manges un bout de gazon. Ah, moi j'aime ça! J'aime vraiment ça. Ouais? Ouais, c'est genre, on dirait des feuilles de sushi, mais un peu frit, genre. C'est vraiment bon, j'aime vraiment ça. Ça goûte le poisson. Je suis vraiment contente. Tu donnes combien? Un bon 7. Ben le 7, on avait donné ça pour les bonbons. T'aimes-tu plus ça ou les bonbons? Ouais, j'aime plus ça. Non, j'aime plus ça. Bit. C'est plus original. Bit d'abord. Je vais donner 8. C'est vraiment bon. Moi, je vais donner 7. Parce que j'aime mieux les bons. Bon, puis le dernier. Il y en reste juste un? Ouais. Fish Snack Hot Chili Flavor. Ta-da, ta-da, ta-da. J'ai pas qu'on ait fait de la soupe de...
du journal. C'est genre des chips de poisson qui sont supposés être épicés. Ok. Ah! C'est comme mou, genre, encore. Ça a l'air dégueulasse. Ça sent vieux, vagin. Ça sent la vieille plotte. Ça sent la vieille plotte, genre, vaginisée, avec une maladie, une bactérie. Ça sent Manon la semaine passée, là. J'ai failli le dire. Okay, okay. Pour Manon. C'est la dernière fois. Ça se mastique donc même pas. T'aimes-tu ça? Non. Le petit spicy est pas désagréable, mais la texture en gueule est tellement spéciale. Ça se mange pas. Qu'on s'infligerait pas ça dans la vie, tu sais. Moi, je donnerais 3 ça. 4. Ben non, 3 là. C'était pas je vomis, mais c'était pas genre comme malheureusement on va pas nous remanger. Bon, mais en tout cas, on a eu bien de plaisir. Regardez Cassandra vomir pendant 10 minutes, ça c'est bien croyant. Merci Rémi pour tous ces beaux cadeaux de Thaïlande. Abonnez-vous à ma chaîne. Dis au monde dis-leur des affaires. Des affaires. Pour vrai, j'ai chaud, genre. Ouais, moi tout. Ça fait ça? Oui, moi aussi. Genre, j'ai un scène de soir, ouais, pour vrai. On se fait tenir? Oui. Ok.